Au pays de Noël. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle ici à Amiens, au pays de Noël et au pays du Père Noël ici. On est à l'intérieur du chalet du Père Noël. On a réussi à l'approcher avant la longue file d'attente. Père Noël, votre sommaire à vous, c'est quoi aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, comme d'habitude, je reçois les enfants, je leur pose quelques questions, j'essaie de les amuser et je leur donne un petit cadeau. Et voilà. Ils repartent avec le grand sourire. Ils repartent avec un grand sourire. Ils sont très heureux d'avoir vu le Père Noël. Bon courage pour cette grande tournée. Vous Merci. Êtes prêts ? Merci. Je suis prêt. Mes rennes sont prêts. Il n'y a pas de problème. La tournée se prépare sérieusement. Allez, merci Père Noël. Notre sommaire à nous, il est là. Regardez en image. Il y a de la couleur. Et on va faire le tour de tous les marchés de Noël des Hauts-de-France. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Allez, sommaire. Dans cette émission, nous vous emmènerons aux quatre coins des Hauts-de-France. À 1h30 d'Amiens, vous partirez à Lille, tout près de la Grande Roue. À Beauvais, à la rencontre d'une graveuse sur verre. Et à Valenciennes, déguster une glace au fromage bien de chez nous. Et puis à deux pas de notre région, vous visiterez le village des plaisirs d'hiver de Bruxelles. Génial, j'adore. Une capitale qui brille de mille feux pendant les fêtes. Merci d'être avec nous, bienvenue au pays de Noël. Et le pays de Noël sous le soleil, on est juste devant la façade de l'hôtel de ville. On a quitté le Père Noël parce que vous imaginez qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On est en direct, je vous le disais. J'en veux pour preuve, regardez, il est pile poil 11h30. On est samedi matin en direct ici au cœur du marché de Noël. On est sur la patinoire avec Madame le maire, puisqu'on est devant l'hôtel de ville. C'était normal de venir vous voir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce marché de Noël d'Amiens, on en parle énormément. C'est pas le seul, on va en découvrir plein dans cette émission. Mais celui d'Amiens, évidemment. C'est le plus beau. C'est le plus beau, celui où il y a le plus de monde. Il faut vraiment venir parce qu'il y a plein d'activités. Il y a la patinoire qui est gratuite. Je pense que c'est l'une des seules villes. Nous sommes l'une des seules villes qui offre cette animation. Oui. Il y a un magnifique village enchanté sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Alice, on va aller la voir, Alice, tout à l'heure. Et puis plein d'autres choses. Cet alignement immense entre, en gros, la Maison de la Culture, oui, pour ceux qui connaissent Amiens, et la gare, oui, c'est presque du jamais vu en France. C'est un des plus grands. Il est dans le top 3 des plus grands. Oui. 150 chalets, plusieurs, oui, kilomètres. On est à 2 km, je crois, quasiment. 2 km c'est impressionnant. Oui, absolument. Et c'est vraiment... Du coup, l'intérêt aussi de ce merveilleux marché de Noël qui fête son 20e anniversaire. Eh oui, cette année. Joyeux anniversaire. Plus. Allez, voilà. Je vous embrasse. Joyeux anniversaire. Exprès pour ça. Et franchement, c'est un marché de Noël qui est porté par les commerçants d'Amiens et qui est tout ouvert au monde entier, donc avec des chalets d'artisanat. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les bourses, tout va bien. Sur Internet, on vous a posé la question de savoir, parce que c'était bien d'essayer de vous mettre un peu en compétition avec le marché de Noël d'Arras, dans lequel on va se rendre dans un instant avec Caroline Arnold. Et sur Internet, il y a une... Allez, je suis désolé, mais une grosse préférence quand même pour celui d'Arras, mais le sondage n'est pas terminé. Pourquoi celui-là, à votre avis, celui d'Amiens? Selon vous, un petit peu mieux ou mais pas? Je pense que celui d'Arras est très beau, évidemment. Je ne vais pas dire de mal du marché de Noël d'Arras. Mais celui d'Amiens, il est vraiment diversifié. Il est vraiment à l'échelle de la capitale régionale que nous avons été et que nous sommes toujours à la capitale de la Picardie, quand même. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez vu, on est sur une patinoire, mais sans patin, donc on n'ose pas trop bouger. Sinon, la glissade est vite arrivée. On va rejoindre justement en direct à Arras, sous le soleil aussi, Caroline Arnold qui est avec nous, dans la Grande Roue. Bonjour Caroline, comment ça va là-bas? Bonjour Thibault, ça va plutôt bien. Alors le soleil il vient un peu de se cacher, n'empêche que on voulait vous prouver que ce marché de Noël c'est en tout cas l'un des plus beaux de la région et pour ça on a donc pris de la hauteur dans cette Grande Roue. Vous l'apercevez peut-être derrière nous, il y a le Beffroi d'Arras, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et à nos pieds il y a cette grande place avec ses 140 chalets du marché de Noël. Alors c'est dans un écrin exceptionnel avec ses façades baroques centenaires, ce tapis rouge, ces milliers de lumières et de guirlandes. C'est assez magnifique.
magnifique, encore plus lorsque la nuit tombe. Et c'est pour ça aussi que les Arageois disent que c'est le plus beau de la région. En tout cas, ils en sont très fiers. Les visiteurs aussi ont été conquis puisqu'ils étaient plus d'un million à être venus en profiter l'an dernier. Ils viennent profiter de l'atmosphère de Noël, des exposants, mais aussi des animations. Et puis de certains invités assez particuliers, exceptionnels, comme le Saint-Nicolas. C'était le 6 décembre dernier, vous voyez peut-être les images, il est descendu du beffroi de la ville pour aller à la rencontre des enfants, leur apporter des douceurs, des friandises. La tradition du Saint-Nicolas, ici, dans le Nord, comme dans le Pas-de-Calais, est encore particulièrement célébrée. C'est d'ailleurs une des particularités du marché de Noël, ici, de cette ville. Et il y en a d'autres, vous le verrez tout à l'heure, il y a quelques surprises encore à vous faire découvrir. Merci beaucoup, merci Caroline. Ah, vous le voyez, on est en train de se déplacer. Et quand on vous avait dit qu'on était en direct, on est de retour. C'est difficile de ne pas être essoufflé en même temps qu'on vous parle. On est toujours en direct au cœur de ces marchés de Noël d'Amiens pour vous faire un petit peu le tour d'horizon de tous ces marchés finalement des Hauts-de-France. On est ici à Amiens en direct, on va aller à Valenciennes tout à l'heure, on va aller à Bruxelles. Mais on ne pouvait pas passer à côté d'une personne incontournable dans ce marché de Noël. Il est là, regardez-le à la caméra, il s'appelle Monsieur Tartiflette. Et Monsieur Tartiflette, c'est un des personnages emblématiques finalement de ce marché de Noël parce qu'il est là depuis le début, depuis la création de ce marché de Noël. Et c'est un vrai de Savoyard. Bonjour Monsieur Tartiflette, comment Bonjour ça va Thomas, chez vous? Ça va très bien. Impeccable, elle est belle cette tartiflette. Merci. Vous en faites tous les matins, ça fait combien de kilos ça? Ça fait 100 kilos là. 100 kilos, combien de temps pour la préparer? Une heure. Ouais. La tartiflette sur un marché de Noël, c'est pour vous c'est un truc incontournable, c'est inévitable? Bien sûr, il faut donner l'envie aux gens. Moi je suis la passion de mon pays, la montagne. J'ai un petit village quasiment le Manigot. Il faut pouvoir faire la promotion de nos produits et la tartiflette Et l'élément principal. Comment il a évolué en 20 ans ce marché pour vous? Je peux touiller en même temps pour voir. Ah mais bien sûr. Comment il a évolué en 20 ans ce marché pour vous? Ah ouais. C'est... Ben maintenant c'est une institution. On est 15e sur le marché Noël européen. Là. On vient de gagner le concours, enfin pas gagner mais de participer, on va être 15e sur 25, qui est important. Et c'est dynamique du centre-ville qui est inespéré à cette période pour pouvoir tout faire marcher le commerce du centre-ville. Ouais. Ça c'est important. Il était beaucoup plus petit à l'époque. On a démarré avec 65 chalets. Eh oui, maintenant et là, on a 130 chalets. Ouais, sur quasiment 2 km de long. Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu un concours en fait, hein, un concours européen des plus grands et des plus beaux marchés de Noël. 15e, c'est quand même un résultat pas mal pour une première participation. Pour la première, c'est excellent. C'est même une belle récompense. Tout ce qui est fait par les commerçants, avec la Fédération des commerçants qui choisit les gens dans les chalets. La ville qui a fait cette année un gros effort pour les illuminations. Non, il y a. Une belle ambiance. Elle est belle cette tartiflette. Regardez, venez, c'est ici au marché. Qui en veut? Ah, c'est un peu tôt hein, le matin. Vous en voulez? Elle est monsieur, il en veut. Tiens, on va lui servir une gamelle. Une tartiflette, monsieur, on vous écoute, allez-y. En attendant, on va vous parler aussi du marché de Noël de Lille. Évidemment, on va s'y rendre dans un instant. Voyez les images du marché de Noël de Lille sur la Grand Place. Si vous avez cette roue, cette grande roue qui permet de dominer la ville. Ah, j'arriverai pas à servir. C'est un métier, la tartiflette. Ce grand marché de Noël de Lille, on va retrouver Florence Mabi dans un instant et on fête la 17e édition de ce marché là-bas. Il y en a une partie sur la place Réau, une autre partie sur la Grand Place. Florence Mabi est avec nous là-bas. Bonjour Florence, ça va chez vous là-bas? Alors Thibaut, vous le reconnaîtrez, impossible de parler du marché Noël sans parler du marché Noël de Lille, de la capitale des Flandres, qui elle a son marché Noël depuis la fin des années 80. Pour en parler, Bruno Goval. Bonjour Bruno. Bonjour Florence. Vous êtes le directeur de l'office de tourisme de Lille, une vraie destination touristique depuis 15 ans, donc le marché Noël, il est incontournable. Incontournable, c'est vraiment un grand événement touristique de l'année, au même titre que la Broderie ou un autre grand événement culturel. Alors comment vous faites pour rester dans la concurrence, hein? On commence à vous titiller, il y a Arras, il y a Amiens. Comment vous restez En effet, déjà ce marché est un des plus anciens, donc il y a une authenticité quand même propre à ce marché. Il est très très bien situé au cœur de la ville. Je crois qu'en plus les touristes viennent certes visiter le marché de Noël, mais aussi profiter de notre grande roue, qui est quand même quelque chose d'assez magique, de profiter aussi de la ville. Et on reçoit de plus en plus, chaque année, des touristes, certes, de Belgique. Un million de Belgique, des Pays-Bas, mais également de Grande-Bretagne, peut-être même si les Anglais sont un petit peu moins nombreux que les années précédentes. Et puis aussi, de plus en plus, des touristes d'autres destinations. On a des Canadiens, des Américains qui sont venus visiter le marché de Noël. Vous parliez d'authenticité. Est-ce que vous pouvez me prouver qu'il y a vraiment... de vrais artisans, c'est souvent ce qu'on reproche un petit peu hein, au marché de Noël. On y va, vous m'en trouvez un? Je vais vous le prouver. On y va. On y va.
Alors Bruno, on va voir si vous tenez vos promesses. On est où ici? Alors ici, dans un stand très original, du kirigami ou papier découpé. Madame va vous expliquer ça, c'est vraiment très très original. Alors le kirigami, c'est l'art du papier découpé. Ça s'ouvre voilà. Comme une carte. Oh là là. Ah oui, c'est super joli. Et quand on ouvre, ça apparaît. Thibaut, avant de vous quitter, je vous ai même trouvé un superbe cadeau de Noël. Je suis sûre que vous ne l'avez pas. Une magnifique boule à neige. Rien que pour vous, Thibaut. Joyeux Noël. Merci beaucoup, Florence. Merci, effectivement, je l'avais pas, celle-là. On est de retour ici en direct au cœur du marché de Noël d'Amiens, en direct sur France 3, en direct aussi sur Facebook. Si vous nous regardez, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On les relaiera ici, évidemment, aux personnes qui seront avec nous. On vous avait promis l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Eh bien, on y est. Regardez, on est sur cette place ici à Amiens. Et quand on pousse les portes de cette entrée qui a été aménagée exprès sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, eh bien, on arrive dans un décor, vraiment, vraiment un véritable décor de film. Marc est avec nous. Bonjour, Marc. Ce décor-là, si vous nous regardez, vous pouvez vous dire « Mais où est-ce qu'ils ont acheté ce décor? Où est-ce qu'ils l'ont fait fabriquer ?» Eh ben non, Walou, c'est vous qui l'avez fait de vos propres mains avec l'ensemble des équipes techniques voilà. De la ville d'Amiens. L'équipe du Jardin des Plantes et également d'autres services de la mairie ont travaillé sur ce projet. Donc avec du brique et du broc. Et le résultat est bluffant. Le résultat est bluffant parce que tout ça, vous l'avez fabriqué. Il y a des bons de la vaisselle que vous avez acheté, mais vous avez reproduit au maximum l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Comment vous en êtes inspiré? Vous avez regardé, vous connaissez le dessin animé par cœur. Les dessins animés et puis également les films de Tim Burton qui sont des sources d'inspiration intéressantes. Quoi. Et il a fallu que ce marché et cette animation là, que vous avez créée autour d'Alice au Pays des Merveilles fonctionne dans la journée. C'est le cas maintenant, vous le voyez, il fait soleil et on a l'impression d'être dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Mais cette animation, elle fonctionne aussi la nuit. Et la nuit, on est carrément dans l'univers enchanteur avec les petites lumières. On va voir quelques images. C'était une volonté, ça, de le faire vivre la nuit comme ça? La nuit, en fait, déjà l'année dernière, ça vivait très bien la nuit parce qu'il y a beaucoup d'éclairage et de lumière. La difficulté, justement, c'est de le faire vivre la journée. Donc la volonté, c'était de réussir cette année à le faire vivre la journée. Je pense que c'est le cas. Il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de sujets qui ne sont pas forcément lumineux. Et ça sent bon, hein. Ça sent le sapin. Il y a 700 sapins. Ça sent la nature. Et regardez Alice comme elle est belle. Ça, franchement, ne me dites pas que vous l'avez fait vous-même. Vous l'avez coupé. On l'a fait. on a fait ça. On a commencé début octobre au Jardin des Plantes d'Amiens. Et le chat, on l'a installé hier. Oui. C'est-à-dire que hier matin, la tête du chat n'était pas collée. Ah oui. On l'a collé hier matin. Donc ça s'est fini à la dernière minute finalement, mais c'est comme tout. Hein, oui, et pour la petite histoire en fait, c'est que vu qu'on l'a fait en plusieurs parties, il passait pas la porte du hangar. Mm-hmm. C'est qu'on a dû l'incliner pour passer la porte du hangar, donc ça c'est assez amusant. Ça paraît fou. Merci beaucoup Marc de nous avoir fait vivre cet endroit et bravo surtout pour l'organisation de tout ça et l'univers féerique d'Alice au Pays des Merveilles. Allez, on est toujours ici à Amiens en direct et c'est le moment maintenant de se rendre du côté de quoi, à votre avis, de quel endroit? Eh bien on va aller à Beauvais, voilà, Beauvais très précisément, on va rejoindre Arras. Beauvais, c'est pour après. Arras, en direct, on rejoint Caroline qui est avec nous. Hey, Caroline, je ne voudrais pas dire, mais j'ai l'impression qu'on a pris un peu d'avance quand même sur le marché d'Amiens ici. Hein. À vous de faire mieux. Hein. Ah bah, vous avez promis des surprises. Alors vous avez Alice au Pays des Merveilles. Et bien nous, on a la pyramide de l'Avent. Regardez, c'est cette tour de bois. Il faut lever les yeux. Une tour de 10-15 mètres de haut, sculptée avec des personnages qui tournent au rythme d'ailes de moulins qui tournent au-dessus. Alors c'est une tradition qui nous vient d'Allemagne. C'est bien ça, Thomas Delforge. Hein, c'est vous qui l'avez importé ici, j'allais dire. Tout à fait. C'est une vieille tradition allemande. Qui veut que les quatre dimanches de l'Avent, les quatre dimanches avant Noël, on a installé une petite bougie au pied de cette petite pyramide qui se trouvait à l'intérieur des maisons allemandes. Et une fois que les quatre bougies étaient allumées, ça faisait tourner les hélices qui étaient en haut et c'était Noël. Donc voilà. D'où ça vous est venu cette idée? Parce que vous êtes un habitué d'Arras, vous êtes belge, on l'entend avec votre petit accent, mais pourquoi alors cette tradition allemande ici? C'est une pyramide que on a vue avec mon épouse en 2006 dans un parc d'attractions allemand en période de Noël. Et on a tout de suite flashé dessus et on s'est dit ça c'est vraiment ce qu'on aimerait faire. Et quelques années par après, on a réussi à acheter cette pyramide et pouvoir l'installer dans une ville comme ici Arras. Alors
Alors on va s'approcher un peu là, hein, parce qu'il y a la tour, hein, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. En dessous, il y a aussi un bar. On peut venir s'y réchauffer. Voilà, tout à fait. On va le voir. C'est une salle chauffée. On peut accueillir une trentaine de personnes en dessous. Et les personnes viennent boire leur vin chaud, les grandes spécialités de Noël, les grandes spécialités du marché de Noël. Ils viennent déguster ici, sous un endroit bien chauffé, bien sécurisé. Il y a du monde là, depuis le début du marché? Oui, on a eu quelques petits soucis avec la météo, mais on va dire que ça commence à pas être trop mal, évidemment. Chaque fois que la météo fait de la partie, on va dire, là, chaque fois, ça tourne vraiment pas trop mal, on va dire. Ah, voilà, Thibaut, qu'est-ce que vous en pensez alors de ma tour de l'avant, de ma pyramide de l'avant? Merci Marie, merci beaucoup. Retour ici en direct. Pardon Marie, non, Caroline. Oh là là, je mélange tout le monde. On a tellement de monde aujourd'hui dans cette émission que je ne sais plus où on en est. On est de retour ici en direct au cœur du marché de Noël d'Amiens, dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'est maintenant le moment d'aller faire un petit tour dans... C'est dommage parce qu'il y avait plein de monde tout à l'heure et dès qu'ils ont vu qu'on revenait en direct, tout le monde a disparu. On se rend à Beauvais avec Marie Sicot. Beauvais, vous allez voir, c'est un marché qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus intimiste, mais l'ambiance y est tout aussi chaleureuse. Bonjour Marie. Et oui Thibaut, c'est la magie du direct. On a fait tomber un petit peu la nuit ici à Beauvais pour vous faire vivre bien un petit peu plus la magie de ce marché de Noël. Il y a à peu près 30 chalets qui sont présentés ici et on avait envie de vous faire un petit focus sur les artisans locaux. Et je vous emmène tout de suite à la rencontre de Nathalie puisque Nathalie fait de la gravure sur verre. Moi, je fais tout sur place. Il y a tout ce que vous avez exposé, ce sont que des exemples. Et ensuite, les gens composent. Ils choisissent la forme du verre, ils choisissent le dessin et je le fais devant eux. Le dessin, de toute façon, est déjà prêt. Donc moi, je m'en sers à la base. Je mets un dessin derrière, comme un pochoir ou comme vous auriez éventuellement... On peut faire aussi avec la peinture. Et bien, moi, je m'en sers et je fais que redécalquer mon dessin. Je m'apprête à rejoindre Pénélope puisque sur son stand, tous les objets que vous allez trouver eh bien, vont permettre de financer des jeunes en situation de handicap. Nous accueillons un dispositif d'accueil pour des jeunes porteurs de handicap cognitif. Et tous les objets ont été faits à la main, avec cœur par toute l'équipe, des enseignants, des anciens élèves, des élèves porteurs de handicap du lycée. Et effectivement, tous les bénéfices de cette vente qu'on produit depuis 4 ans maintenant pour la mairie de Beauvais sont reversés pour le dispositif Ulysse et notamment cette année pour soutenir un voyage à Majorque. Vous l'avez vu, ce qui est intéressant finalement sur ce marché, c'est de découvrir à la fois la créativité locale, mais c'est surtout de belles rencontres, Thibaut. Merci Marie, merci beaucoup, des belles rencontres, c'est ça tout l'intérêt finalement des marchés de Noël alors qu'il y a beaucoup de monde. On est en train de faire un défi, on recule alors que tout le monde est là, bonjour, bonjour, bonjour. Vous venez voir quoi tiens, vous venez voir quoi ici? Nous on vient voir le marché de Noël, voilà. Vous attendez à quoi? Plein de jolies choses comme chaque année. Avec Alice qui est là? C'est ça. Ah bah très bien, merci beaucoup, bonne visite, beaucoup. Merci. Allez, avant de... Justement, puisqu'on était à Beauvais, on va y rester à Beauvais, parce que le 1er décembre, figurez-vous, que... Vous étiez où madame le 1er décembre? Oula, je sais plus, monsieur. Elle n'était pas à Beauvais, en tout cas. Elle n'était pas à Beauvais pour cause, regardez, il y a un magnifique défilé, qui a une espèce de parade de Noël qui a été lancée, avec des ours polaires, on est dans une thématique très glaciale, c'était assez original et ça méritait notre attention, donc regardez, écoutez, on se retrouve juste après avec les Québécois. Allez, il est midi moins le quart, on est toujours en direct, je vous assure, hein, on enchaîne. On est parti de l'hôtel de ville, on était dans l'univers d'Alice et nous voici maintenant avec les Québécois. Parce que alors, les Québécois, quand on passe ici, on n'entend que les Québécois. Ah, Thibault, mon ami Thibault, il vous a le pag, ça va bien Thibault? Et alors, le Québec, le Québec ici au cœur du marché d'Amiens, vous faites l'ambiance quand même. Hein. Ah ben là on essaye, là, on fait des belles... Dégustation de sirop d'érable là, pour tout le monde. C'est traditionnellement québécois. Ouais. Après ça, mais c'est fait... il est là, le sirop d'érable. Regardez comme il est beau. Ça, c'est vraiment bon. Regardez, ça, c'est mon père, oui, ça, des gars, ça les tripent en tabarnak. Ça, c'est votre truc.
Oui, ça, c'est vraiment ma passion depuis que je suis né. Mais pourquoi vous venez? Parce que vous habitez réellement au Canada, au Québec? Au Québec, à Trois-Rivières. Qu'est-ce qui justifie que chaque année, vous reveniez ici? Ben, je sais pas. Hormis le fait que vous adoriez les Amiénois et les Picards de manière générale. Pas, moi, juste ça. Tu sais, j'aime bien la France, c'est le fun. Puis venez vendre un vrai produit que vous n'avez pas beaucoup en bonne quantité de même. Site, là, c'est vraiment différent. Qu'est-ce que j'aime ça? Mais tu sais, moi, ça me donne l'occasion de voyager puis me promener aussi, là. Ouais, goody, tu vois que c'est bon. Le marché de Noël d'Amiens, il est exceptionnel, mais on va continuer à voyager grâce à vous. Entre c'est autres, vrai? Parce que vous nous avez fait un petit peu voyager avec votre accent. Là, un peu, mais ouais. On va sortir un petit peu des frontières des Hauts-de-France et de la France de manière générale, direction Bruxelles maintenant. Ah ouais? Parce qu'au marché de Noël de Bruxelles, figurez-vous qu'avant, il était très centralisé sur la Grand Place, mais maintenant, il s'est agrandi. Reportage avec Jean-Luc Douchet et Morgane Plouchard. Vous les connaissez, c'est votre copain Jean-Luc? Non, je ne connais pas. Allez, reportage. C'est qui? Et si vous partiez avec nous aux quatre coins de Bruxelles, entre plaisir des yeux et des papilles, sur la plus belle place du royaume, bienvenue au plaisir d'hiver. Prenons tout d'abord un peu de hauteur au-dessus de la place Sainte-Catherine, l'un des quartiers les plus appréciés d'une capitale et son parfum si particulier. L'idée est celle de faire connaître peut-être plusieurs quartiers parce qu'ils se déploient sur 2,5 km. Donc c'est un marché qui est très vaste et à différents endroits. À la nuit tombée, à deux pas de là, tout près de la bourse, vous partirez du côté d'Oulan-Bator, en Mongolie. Sous la yourte et dans la marmite, dépaysement garanti. Bien sûr que c'est important. C'est une chance pour nous de présenter notre pays, notre cuisine, notre culture aux Européens et peut-être encore plus aux visiteurs du monde entier. Eh bien, joyeux Noël! Merci à vous aussi! Et chaque soir, à partir de 17h, sur les chansons de Zia, la Grand Place classée au patrimoine mondial de l'UNESCO s'habille de mille et une lumières. Ah, c'est super beau, c'est magnifique. C'est vraiment l'esprit de Noël. Génial, j'adore. C'est féerique, hein. J'habite ici et ça m'impressionne toujours, donc j'aime bien. Bruxelles, c'est d'abord un esprit toujours de convivialité, de rencontre, de simplicité, mais aussi avec énormément de lumière, de couleurs, d'attraction. Votre coup de cœur, vous, pendant ces plaisirs d'hiver, c'est lequel? La lune. La lune dans la cour et je la vois tous les jours de mon bureau et c'est juste du bonheur, du coup, de venir travailler. La lune, comme si vous y étiez, grâce aux photos prises par la NASA. Sous le beffroi, elle s'offre aux touristes prêts pour le grand voyage. C'est la première fois que je peux toucher la Lune. C'est formidable. C'est la première fois qu'on voit la Lune avec de tous les côtés, quoi. Donc sur 360 degrés. Donc à Bruxelles, on est dans la Lune. Tout à fait. Avec Tintin, c'est normal. Hein. Notre promenade hivernale se termine et au pays de la frite, des gaufres et de la bière, le vin chaud et le champagne se feront avec modération une petite place jusqu'au 31 décembre. Allez, on est de retour ici, toujours en direct, au cœur du marché de Noël d'Amiens. Vous nous recevez chez vous dans les Hauts-de-France. On parlait beaucoup de gastronomie tout à l'heure avec les Québécois, mais vous voyez ici, on peut trouver des saucissons d'Ardèche. Et on peut trouver, franchement, ça je vous le conseille, c'est un conseil vraiment tout à fait personnel, sûrement les meilleures gaufres, enfin c'est pas sûrement, c'est sans aucun doute les meilleures gaufres de tout le marché de Noël. Elles sont ici, elles sont chaudes, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus et c'est un truc incontournable à l'approche de... Bah voilà, si vous faites une petite promenade, par contre venez aux heures un peu sympas parce que sinon il y a 10 km de queue, c'est pas possible. On reste dans la gastronomie maintenant, direction Valenciennes, on va rejoindre Ambrine Bédida qui va nous donner envie aussi d'aller découvrir ce marché de Noël de Valenciennes. Il y en a beaucoup, évidemment, on ne peut pas être partout. Mais allez, découvrons ce petit marché de Valenciennes avec Ambrine. Bienvenue au marché de Noël de Valenciennes. Ici, il y a environ une cinquantaine de chalets, mais il y en a un qui a particulièrement attiré notre attention. C'est celui-ci, où travaille Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites ici? Alors nous, en fait, on est éleveurs de brebis et on fait des glaces avec le lait de nos brebis. Donc on est venu proposer nos glaces sur une formule chaude qui est la brioche perdue. On a des parfums, donc on a tous les trois chocolats, la rhubarbe, la mûre,
la pistache. Et puis après, on a des parfums un peu plus particuliers, comme notre glace salée, qui est la glace au maroilles. C'est une glace qui plaît ? C'est une glace qui plaît aux aventuriers qui osent la goûter. Oui, ouais, elle plaît beaucoup. Et en fait, on la sert dans un petit cornet salé, un petit cornet aux herbes. Et voilà la glace au maroilles. Merci. Bonne dégustation. Merci. Ouais, c'est très très bon Thibaut, ça a un goût très particulier, je vous conseille de l'essayer. Elle n'a pas l'air très convaincue, Ambrine, mais au moins elle l'aura essayé. Voilà, c'était le marché de Noël de Valenciennes. Ici, ça sent bon parce que vous voyez, il y a les beignets et les croustillons qui sont fabriqués. C'est l'heure pour nous. En fait, j'ai l'impression que cette émission, elle tourne à l'émission gastronomique finalement, parce qu'on va parler de chocolat maintenant, direction le marché de Noël d'Arras. On est en direct avec Caroline. Et Caroline, j'ai l'impression que vous régalez là. Caroline, il y a quelqu'un. Ouais, alors Thibaut, ici nous on n'a pas de glace au maroilles, hein, pas de glace au maroilles, mais on est plus traditionnel. Il y a de la choucroute, de la poêlée de Noël, du vin chaud et puis la gourmande que je suis ne peut pas résister. Venez, on va se frayer un chemin jusqu'au chalet suivant. Et là on va parler de chocolat et d'une carte postale très particulière, c'est même de l'art. Une carte postale en chocolat avec le beffroi d'Arras. Alors cette carte postale on la doit à vous Bruno Rouli. Alors oui. Racontez-moi pourquoi le beffroi d'Arras ? On est à Arras déjà, non ? Je crois, non ? Marché de Noël d'Arras, et le beffroi d'Arras, meilleur monument de France, fait élu meilleur monument de France en 2015. Voilà. Donc c'était un clin d'œil sur ce marché de Noël pour une première, donc on l'a sorti à l'inauguration du marché de Noël. Donc vous l'avez en deux formats, une format carte postale, donc c'est du 3D, hein, et puis un format double carte postale. Alors c'est quoi ça ? C'est du chocolat blanc ? C'est comment vous l'avez fait cette carte postale ? Oui, la déco, entre guillemets, c'est un chocolat blanc, et là on a un chocolat lait, on a travaillé sur un chocolat au lait. Mais je l'ai aussi en chocolat noir, hein, voilà. Il y en a pour tous les goûts quoi, en fait. Et alors là c'est de la carte postale, mais vous on vous connaît pour des réalisations beaucoup plus importantes, j'allais dire. Vous vous amusez vraiment avec le chocolat et vous n'y allez pas sur des petites tailles. Ah ben non, il y a l'histoire de l'avion au chocolat que vous avez retracé d'ailleurs le vol en 2015 d'ailleurs. Et puis il y a une collection de robes en chocolat hein, qui sillonne sur toute la France, de Lille à Bastia. De Villeneuve d'Ascq aussi, sur le salon du chocolat. Alors, là, on parle de réalisation chocolat. On va quand même le goûter. On peut le goûter ? Bien sûr, ouais. Voilà, Thibaut, moi, je vais goûter le chocolat quand même. À force d'en parler, ça donne faim. Je vous dirai comme ça si c'est aussi bon que beau. En attendant, moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes, Thibaut. Très bonnes fêtes à tout le monde. Joyeux Noël et à très bientôt. Merci, Caroline, d'avoir été en direct avec nous au cœur de ce marché de Noël d'Arras avec Sergio Rosenstroh qui vous accompagnait. On va se quitter sur des images absolument magnifiques maintenant. C'est le spectacle Chroma. C'est à la cathédrale d'Amiens tous les soirs jusqu'au 31 janvier. C'est un spectacle qui met en lumière la cathédrale. Et je ne vous dis que ça, c'est un loupable. C'est à 19h, ça dure une heure. Protégez-vous bien, mais c'est absolument magnifique. Merci d'avoir été avec nous. Joyeux Noël à tous.